premier. C'est carrément très beau. Elles sont belles, ces images. C'est carrément non, j'estime que c'est carrément la classe, quoi. Bon, Julie, puisqu'on vient d'en parler hors interview, apparemment, tu es une fan de Madonna, non? Il y a ce clip-là que je trouve formidable. Je me souviens même plus du titre du clip, de la chanson, mais je trouve que... ultra moderne. Express yourself, c'est le titre de ce clip-là. Non, Express yourself, voilà, c'est ça. Et je trouve que les images sont ultra modernes. Mais à part les images, t'es une fan de la chanteuse? T'aimes bien ce qu'elle fait? Non, ça dépend des morceaux. Non, personnage, la personnalité. La personnalité m'intéresse, ouais, énorme. C'est toujours marrant de voir des petites nanas qui arrivent comme ça. Je sais qu'elle a été plus ou moins danseuse à l'époque de Patrick Hernandez, etc. Born to be alive et tout. Et puis arriver à ça mondialement, je trouve carrément chapeau, quoi. Mais apparemment, sans dire que tu es une femme MLF, parce que ça, je pense que tout le monde l'a sorti un jour ou l'autre d'après les chansons. Ouais. Je pense pas que tu le sois. Mais c'est vrai que tu dois beaucoup aimer les femmes qui ont beaucoup de caractère, parce que toi-même, tu as beaucoup de caractère et t'en veux. Et qu'est-ce que t'en sais? Moi, ça se sent, et surtout dans les compositions, et c'est ce que tu veux refaire sentir aussi quelque part quand tu écris des chansons comme Eve, lève-toi, ou même le dernier album. Encore plus, je crois, dans la légende des Madones, oui, ça s'est un petit peu concrétisé dans le... Mais encore plus parce que c'est toi qui as pratiquement tout réalisé de A à Z, et ouais, disons que c'est j'ai... C'est toi, en fait, l'album, c'est la première fois que c'est toi. Vraiment. C'est la première fois que j'ai écrit, à part, je crois, où j'ai écrit à peu près la totalité des textes. Et puis j'ai tout supervisé avec des équipes que j'avais envie de, avec lesquelles j'avais envie de travailler depuis longtemps, des rockers, des bas-fonds. Voilà, mais je me suis bien marrée. J'ai mis quand même un an et demi à travailler sur cet album. Ça, quelquefois, il est presque hard, hein, l'album. Faut pas le dire. Mais c'est mes goûts musicaux profonds. Je veux dire. J'ai comme référence souvent des femmes comme Tina Turner et puis, et puis en France, des hommes comme Daniel Balavoine. C'est pas du hard, je veux dire, mais au niveau des textes et de la recherche musicale, j'aime beaucoup des gens comme Peter Gabriel et Balavoine. Et puis au niveau de la pêche et des femmes, j'aime beaucoup Tina. Mais tu tombes jusqu'à aimer des groupes comme Scorpion ou des grands groupes hard. Je suis une fan de Def Leppard, voilà. C'est pas possible. Surtout le dernier Hysteria. C'est, ouais. C'est fou parce que quand on écoute ce que tu fais, on écoute tes chansons, on te catalogue. C'est pas péjoratif, mais on te cataloguera plutôt dans les chanteuses variété, top. Ouais, mais je jusqu'à pense que cet je suis... album, jusqu'à cet album, c'est ah, vrai jusqu'à cet album. Il y a eu comme des surprises parce qu'on s'est dit tiens, Julie Pietri, elle était très top, et tout d'un coup, hop, il y a un album qui est beaucoup plus rock qui surprend. Disons que bon, c'est évident que quand on a bifurqué de la petite Julie à Julie Pietri, il y a eu déjà oh femme unique. Bon, Eve, lève-toi, les gens ont fait quoi, qu'est-ce que c'est que ça, machin. Ça crée une surprise. Et puis j'ai un peu enfoncé le clou avec La Légende des Madones, le deuxième album, en disant voilà vraiment mes goûts musicaux, quoi. Et comment ça se fait qu'il a fallu cet album-là pour que tu puisses te révéler enfin aux yeux du public et qu'avant t'aies pas eu envie de le faire et que t'aies suivi une ligne qui était peut-être pas forcément la tienne en fait? Non, j'avais très envie de le faire, mais je vais être très très honnête, je crois que j'avais pas la gueule à ça. Je crois que on vieillit d'une certaine manière, vieillir entre guillemets, on devient mature, on mûrit, voilà. J'ai eu une certaine maturation artistique et personnelle. C'est sûr que je ne suis pas pareil, on n'est pas pareil, on ne peut pas être pareil à 32 ans et à 22 ans, c'est impossible. Au niveau physique, ça se voit. On a l'impression que Julie Pietri a vraiment mûri, mais pas seulement au niveau de ses compositions, de ses musiques, mais de son physique aussi. Elle a l'air de s'assumer. Elle a un look qui est vraiment particulier, alors qu'à l'époque, elle était déjà jolie, on peut le dire. Elle avait déjà ses formidables. Il est gentil, mais elle était une petite jeune fille sage, ouais. Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, on la voit elle est moins, de façon elle est beaucoup moins sage. Moins extravagante. Et ben, c'est bien quand même, je veux dire. Alors, est-ce que maintenant, une question me vient à l'esprit, est-ce que tu préfères être plus toi-même et plus rock, et peut-être être moins bien classé au niveau du top 50, ou alors plutôt faire des compositions qui te plaisent pas, mais être dans les premières places? Je crois que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de moi-même et d'être Julie Pietri, c'est ou tout ou rien. Si les gens acceptent, c'est génial. Si les gens n'acceptent pas,
tant pis, j'ai pas envie de régresser. Ça, je sais, je suis sûre. Maintenant, je voudrais un petit peu mettre des guillemets au mot rock, parce que je trouve que ça veut plus rien dire. C'est un peu galvaudé par tout le monde. Rock, ça veut rien dire. J'ai pas envie de dire j'ai une image rock ou pas rock. Mmh. Bon, si les gens me voient comme une chanteuse de variété ou qui s'améliore, c'est déjà super. C'est, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la chanson. Il faut arrêter de se. Hein, c'est vrai que rock, c'est plutôt dans le look, c'est plutôt dans la forme que dans la musique. Je crois que c'est surtout, c'est aussi c'est une attitude. Rock and roll, ça c'est autre chose. Moi, je dirais aussi que c'est une attitude dans la vie. Oui, oui, ça fait partie. C'est vrai que d'une évolution. On s'est toujours demandé rock. D'un à ensemble. L'époque, c'était rock and roll, et maintenant rock, ça fait partie d'une. Je veux dire, les jeunes sont rock. Un habit peut être rock. Une chanson peut être rock. Un téléphone peut être rock. Et une attitude. Une attitude et une vie. Tout. Il faut que tout. Enfin, je crois que les choses doivent concorder. Simplement, il doit y avoir un. Il doit y avoir une harmonie chez la personne, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle chante, dans ce qu'elle est. Si ça ne va pas ensemble, c'est qu'il y a mal donne. Alors maintenant, c'est assez grave ce que tu disais, parce que maintenant que tu t'es assumé, que tu as lancé cette image de Julie Pietri nouvelle, est-ce que si le public ne l'accepte pas, tu vas revenir en arrière ou tu vas persévérer et continuer dans ce... Ou alors tu vas carrément baisser les bras et tout arrêter? Écoute, il a l'air de l'accepter. Hein. Il a l'air de l'accepter. Je fais toujours autant de concerts... Je vends pas mal d'albums, justement. Mmh. Et les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire que ça a vachement bien évolué et que ça leur botte, quoi. C'est vrai qu'effectivement, hein, depuis cet album, on a l'impression que t'es vu d'un autre côté. Je veux dire, t'es pris beaucoup plus au sérieux, déjà. Oui, peut-être. C'est plus la petite chanteuse du top 50. Là, je suis en train de regarder... Cela dit, ouais, je veux dire, bon... C'est-à-dire, il y a des chanteurs que l'on trouve là-dedans uniquement, ouais, et il y en a d'autres qu'on connaît qui vendent peut-être beaucoup plus. Je pense qu'il y a Cabrel, Level 42, des gens comme ça, c'est pas des gens qui s'en foutent du top 50. Exactement. Je veux dire, ils sont dans tous les charts. Ça. Bon, si avec un titre qui est bon, on rentre dans une forme de top 50, moi je dis pas non, hein, parce que j'aurais mauvaise grâce à dire non. Mais c'est pas la lutte au coude à coude. Tu t'en es sorti maintenant. Ouais, j'ai pas envie de recettes. Non, j'ai jamais fait de recettes. Quand j'ai fait ce métier, j'avais pas envie de faire des recettes parce que j'aurais pu faire quand j'ai commencé, j'aurais pu faire deux Maria Magdalena, deux Amoureux fous avec Herbert Léonard, deux tout ce que tu veux. Mais j'ai pas voulu ça. J'ai voulu évoluer chaque fois un peu plus et aller un peu plus loin selon ce que je sentais dans ma tête et dans mon cœur. Donc effectivement, tu t'en es sorti. Quoi. Je veux dire, t'as réussi à être toi-même et à pouvoir l'être parce que c'est pas toujours évident dans ce milieu de faire ce qu'on veut, surtout. Surtout en France, d'arriver et puis il faut que ça marche autrement. Surtout en France, disons qu'on est au départ, quand on est très jeune, on est très prisonnier de ce qu'on veut faire de vous. Ensuite, quand on est un peu plus fort et qu'on a vendu des disques, on fait « Hey, moi je fais ce que je veux et maintenant je m'entoure de l'équipe dont j'ai envie. » Voilà. Eh bien c'est parfait, on va peut-être pouvoir le voir dans ton dernier clip, que toi-même, carrément tu l'as fait, c'est ton clip. C'est le tien. Je veux pas ramener la couverture à moi, non, parce qu'on est une équipe et je veux dire, j'ai fait la moitié du montage et je suis responsable de la moitié des idées. Voilà, le reste, c'est aussi les gens qui m'entourent et qui travaillent avec moi, heureusement. Bon, Julie Pietri, 50% alors. Bah ouais, mais non, mais il y a des gens qui travaillent avec moi, ça heureusement. C'est d'une chanson, ça, 50%. 50% Ah, non, moi c'est 100%. Waouh. Cadeau. Oh. Mais ça, en attendant. Génial. C'est avant que le batteur ait son... Attends, c'est quoi ça? Non, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est l'extrait du dernier album celui-là. Ouais. Ah, c'est Rocket, ah oui d'accord. C'est spécial édition numérotée. Putain, merci, c'est vraiment sympa. C'est une autre façon, c'est une façon de dire qu'on avait fait un peu long. Pendant que vous parliez, on a trouvé ce disque. Ouais, on était le chercher. Quelle belle histoire que l'histoire du batteur, hein. C'est tellement beau. Hein. Ouais. Ça, c'est un groupe. Il vient de tout près de chez moi, de Sheffield, d'Aftershock. Ah ouais? C'est vrai qu'il y a un... Quand tu penses que le batteur bat avec un bras, ouais, et qu'il a une batterie qui a été construite, ils l'ont attendu 4 ans pour qu'il revienne, qu'il réapprenne avec un seul bras. Et il joue même de... La caisse claire avec le pied gauche, c'est incroyable, ils lui ont construit une batterie spéciale, c'est génial. Et le groupe l'a attendu, tu sais, vraiment par
le vrai groupe, quoi, c'est l'amitié, l'amour. C'est... Ouais, ouais, ouais. Alors qu'ils étaient en plein top, hein, ils n'ont rien fait pendant 4 ans quand même. Ouais. C'est un risque. C'est admirable. Ouais. J'adore.